Ce truc se fait avec quelques cartes. J'en ai pas beaucoup dans un paquet qui en principe devrait être plein, ce qui n'est pas le cas. Ce truc se fait avec quelques cartes, je vous les montre rapidement. En fait, j'ai les 4 10, c'est-à-dire le 10 de cœur, le 10 de trèfle, le 10 de carreau, le 10 de pique. Les autres cartes, c'est un peu spécial, elles sont pas imprimées, elles sont blanches. Là, même si j'en ai plusieurs dans un jeu normal, normalement, j'ai pas de cartes blanches. Mais là, j'en ai quelques-unes, je peux vous les montrer rapidement. Le truc est suivant. Il suffit que je prenne une carte blanche, que je mette en contact avec un 10. Et si je frotte comme ça, ce qui est magique, c'est que ça se voit. Par contre, si je frotte pas, ça se voit pas. Hein. Si je frotte, regardez, ça se voit vraiment. Je vois que ça vous plaît. Je vais vous faire avec la suivante. Il suffit que je mette en contact, que je tapote comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez voir. Super, non? Là, il faut que j'attende un peu. Hein. Vous savez pourquoi? Non? Je vais vous dire, c'est parce qu'il faut que ça sèche. Là ça va, mais vous savez quand c'est pas sec, c'est très désagréable. Mais là ça va. Par contre, si je frotte de ce côté-là, ce qui est magique, c'est que ça se voit également, vraiment. Alors si vous êtes pressé, on peut le faire, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on peut en faire juste un petit bout comme ça, un petit bout. Et ça marche aussi, hein, mais ça va plus vite, quoi. Comme quoi, il suffit de frotter, rien. Donc, si je frotte, il n'y a pas de doute, hein, ça marche. On peut prendre n'importe quoi, par exemple. Si je prends la boîte, vous voyez, il suffit que je fasse comme ça. Et là, ça marche impeccable. Et vous savez quoi? On peut tout examiner sans aucun problème.